Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des adversaires à au moins 50 mètres de distance avec le fusil d'assaut Mark 7. Alors tout simplement déjà, le fusil d'assaut Mark 7, c'est ce fusil d'assaut là. Donc c'est un nouveau fusil d'assaut qui vient d'arriver sur le chapitre 3 de Fortnite. Vous pouvez le trouver dans des coffres, posé au sol comme ça, un peu partout sur Fortnite. Donc voilà, il est facile à trouver. Alors vous en avez bien sûr plusieurs niveaux de rareté. Alors ce fusil d'assaut Mark 7 a une particularité, c'est que vous allez pouvoir viser dans le viseur quand vous visez avec. Donc si vous voulez tirer sans viser, bah, vous tirez sans viser tout simplement. Alors pour réaliser le défi, ce qu'il vous faudra, ben, c'est ce pistolet, enfin ce fusil d'assaut, et ensuite il vous faudra un adversaire. Donc je ne sais pas si ça fonctionne avec les personnages PNJ, personnages non jouables de la map. Faut tester, peut-être quand vous leur tirez dessus, ça devient un adversaire, donc peut-être. Par contre, ce que je suis sûr, à 99% sûr, c'est que sur les requins, si vous voyez un requin, vous lui tirez dessus et ça fonctionnera, ça validera pour le défi. Parce qu'un requin, ça a toujours été un adversaire. Après, peut-être que c'est plus le cas, mais normalement, ça devrait fonctionner. Alors, quand vous avez votre arme fusil Mark 7, il va falloir quand même avoir une distance de 50 mètres pour blesser les adversaires. Donc, pour savoir si vous êtes à 50 mètres, tout simplement, vous mettez un ping. Là, je suis à 38 mètres, donc je sais que je suis trop loin, enfin trop proche. Donc, j'ai juste à me reculer et à me mettre à plus ou moins 50 mètres de l'adversaire. Donc là, je vais envoyer un adversaire, par exemple, ici, voilà. Je vais prendre mon pistolet, enfin mon fusil d'assaut. Là, je le ping, voilà. Et on peut voir que l'adversaire est à 50, 60 mètres, là. Donc j'ai juste qu'à le tuer et à le finir. Après, si maintenant vous jouez en duo, en section ou en trio, ou ouais, c'est ça. Vous tuez un adversaire à distance et ensuite ben, vous le finissez. Si par exemple, ou même vous tuez un adversaire tout proche, par exemple il est en PLS ici, et ben c'est pas grave, vous reculez et vous vous mettez à 50 mètres de distance pour lui infliger des dégâts quand il est par terre. Bon là je suis à 38 mètres, mais vous avez compris le délire. Vous allez jusqu'à 50 mètres de distance quand il est en PLS pour le terminer et infliger des dégâts. Donc ça c'est une astuce supplémentaire. Et quand vous aurez infligé 202 dégâts aux adversaires à 50 mètres de distance, vous aurez terminé le défi. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwakuluMec et ciao. Peace. Yummy, bruh.